الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذا اليوم المبارك ويومنا هذا هو العاشر من رمضان لعام 42400 للهجرة الموافق للواحد والعشرين من شهر أبريل لعام 22 من شهر أبريل لعام 21 و2000 كما فعلنا الأسبوع الماضي وقد شرعنا في قراءة الأبواب المتعلقة بالصيام وفضله من كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى المعروف برياض الصالحين نغير البرنامج لأجل شهر رمضان وقد قطعنا منه ثلثه الأول وما أسرع مرور الأيام وإن الذي أساء في أوله ثم راجع نفسه فأصلحها وأحسن فيما تبقى منه خير من الذي اجتهد في أوله حتى ذهب جهده وأتعب نفسه وترك الاجتهاد فيما تبقى منه فاعتبروا يا أولي الأبصار Nous nous réunissons dans cette dixième journée du mois de Ramadan de l'an 1442 de l'Égypte, c'est-à-dire le 22 avril 2021. Nous avons changé le programme pour ce mois-ci et donc le jeudi et le vendredi, nous lisons les chapitres relatifs aux mérites du jeûne ainsi qu'à certaines règles juridiques relatives à cette action. Dans le livre de l'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahimahullah ta'ala. On a commencé vendredi dernier et donc à partir d'aujourd'hui ce sera tous les jeudis et vendredis à 4h30 inshallah ta'ala. Nous sommes déjà dans la dixième journée de ce mois-ci. Ça veut dire qu'on a déjà parcouru le tiers du mois et les jours passent vraiment très vite. Et tous les ans, au début du mois, on est là en se disant oh, on va devoir jeûner tous les jours pendant un mois, ça va être difficile, on se met en condition. Puis en quelques temps, on arrive à la fin du mois et puis on se met à regretter en se disant je n'ai pas assez profité du mois. Et là, il y a un conseil à donner à moi-même en premier, bien entendu, et à tout le monde, c'est de ne pas trop en faire dès le départ, de peur de se fatiguer et de se lasser et de relâcher les efforts à la fin du mois. Parce que celui qui commence mal le mois, puis se reprend en main et fait des efforts et s'améliore au long du mois jusqu'à ce que la fin du mois soit meilleure que le début, eh bien celui-ci sera meilleur que celui qui au départ a retroussé ses manches et a démarré sur les chapeaux de roue, puis s'est fatigué et s'est lassé et a relâché ses efforts pour ne plus rien faire à la fin. N'oubliez pas que la fin de ce mois est meilleure que le début. Les 10 dernières nuits de ce mois-ci sont les meilleures du mois, comme on aura l'occasion d'en reparler plus tard, inshallah ta'ala. Donc faites attention à ne pas tomber dans ce piège dans lequel malheureusement nous tombons, beaucoup d'entre nous tombons, année après année. Kadalika, n'hésitez pas à vous informer les uns les autres dans votre lecture du Coran. Ne voyez pas dedans qu'il y a de l'ostentation ou autre chose. Prenez plus cela comme de la compétition, de la concurrence dans le bien. Fastabiqul khayrat. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Le but dans le mois de Ramadan est de lire le plus de Coran possible, comme les salafs le faisaient rahmatullahi alayhim. Donc entre vous, posez-vous des questions, demandez-vous vous êtes arrivé où, vous avez lu le Coran combien de fois depuis le début du mois, ila akhirih. Je me souviens, j'entends ça, j'arrive à la mosquée. Dans les premiers jours du mois, après Sobh, on s'assoit contre le mur, on s'est tous mis à lire un peu son mushaf, il y avait un frère à côté de moi, j'ai jeté un coup d'œil sur il en était où. Et puis j'ai vu qu'il avait l'air au début du Coran, personne n'a tenu ça. Moi je devais être à l'An'am ou à l'A'raf. Quand j'ai fait, j'étais dépassé, j'étais devant toi. Il me dit, c'est ma deuxième fois là. J'ai dit, oh subhanallah. Moi j'étais encore à la première. Et là j'ai compris qu'il y a des gens qui ne chômaient pas.
Nous, on est là, on lit 2-3 hits par jour, après on se pose, on regarde la télé, on se repose. Il y en a, on ne regarde pas la télé, on ne se repose pas. Ils lisent, mashallah. Et si nous, on n'avait pas su ce que les salafs, ils ont fait, comme khatamat, comment on se serait motivé pour essayer de faire comme eux? Qatada, rahmatullahi alayhi, il lisait le Coran toute l'année, une fois toutes les semaines. Pendant le mois de Ramadan, il le lisait tous les 3 jours. Et dans les 10 dernières nuits, il le lisait toutes les nuits. Al-Bukhari, il lisait une fois le jour, une fois la nuit. La nuit. Al-Shafi'i, pareil, 60 fois dans le mois. Imagine-toi. À la Kulihan. Donc, la liste, elle est encore longue. Non, mashallah, ils ont fait des choses extraordinaires. Donc, si nous n'avions pas su ça, si ils ne l'avaient pas dit, ou bien on ne l'aurait pas rapporté, comment on aurait pu le savoir? Donc, ne vous faites pas avoir, non, c'est pour moi, c'est entre moi, Allah, je ne suis pas. Blablabla. Non, ça, c'est du violon, ça. C'est du violon. Arrêtez de vous cacher derrière des excuses de ce genre-là. Entre vous, gardez une intention positive et partagez ces choses-là les uns envers les autres. Et Inch'Allah ta'ala, ça vous motivera. Taïb, on a commencé la semaine dernière le 217e chapitre de ce livre-là, donc relatif à l'obligation du jeûne du mois de Ramadan et la mise en évidence du mérite qu'il y a à jeûner. Et tout ce qui tourne autour. On a lu les quelques versets en rapport avec cela dans Sourate Al-Baqarah. Puis on a commencé le hadith, le 1216e du livre, le premier du bab, le hadith al-mashhur, kullu 'amal ibn Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyam junnah. Fa idha kana yawm sawm ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Fa in sabahu ahad aw qatalahu falyaqul inni sa'im. Vous êtes arrêté ici. On avait rajouté un peu. On avait parlé de al-khuluf walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi la khulufu fami sa'im atyab 'inda Allah min rih al-misk. Al-khuluf bi dam al-kha wa thamma khata' muntashir 'ala alsinati an-nas haythu yaqulun al-khuluf bi fathiha wa hadha khata' wa as-sahih al-fasih المنقول عن العربي الخلوف بضم الخاء وهو الرائحة التي تنبعث من معدة الصائم حيث خلت من الطعام فيفوح من فيه أي من فم الصائم رائحة كريهة هذا هو المقصود بالخلوف لخلوف عفوا الصائم فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. On avait dit qu'on ne parlerait pas trop en arabe parce qu'on n'aurait pas le temps. Al-khulouf en arabe, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, donc il rapporte cette parole d'Allah Azza wa Jal, que al-khulouf, qui est la laine de celui qui jeûne. La laine, comme vous le savez, donc dans l'estomac, notamment quand on jeûne, l'estomac il est vide. Puis donc comme il y a les sucs gastriques qui n'ont rien à faire fondre, donc il y a les odeurs qui remontent la tranchée jusqu'à sortir de la bouche du jeûneur, et c'est une odeur qui n'est pas très agréable. Et cette odeur-là, les gens donc n'en raffolent pas, ce qui est normal, alors qu'auprès d'Allah Azza wa Jal, elle est meilleure que l'odeur du musc. De là, certains savants, pas tous, وهو المشهور عند الإمام أحمد أنه يكره للصائم أن يستاك بعد الزوال حتى يبقي خلوفه يعني على هيئته غير متغير لأن من فوائد السواك أنه يزيل أو أنه عفوا يزيل الروائح الكريهة التي تفوح من الفم. De ça, certains savants, et c'est l'avis officiel chez le Hanabila, voient qu'il est détestable de se frotter les dents et la bouche avec le siwak quand on jeûne après Az-Zawal, donc après Dhuhr. Alash, pourquoi? C'est quoi le dalil? Alors qu'on a des hadiths au Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, on nous informe qu'il se frottait les dents avec le siwak pendant qu'il jeûnait. Laquelle ces hadiths-là ne nous disent pas qu'il le faisait toute la journée.
Et nous, on apprend que l'haleine du jeûneur est meilleure auprès d'Allah que l'odeur du musc. Et parmi les bénéfices du siwak, c'est qu'il fait disparaître la mauvaise haleine. Donc si ils disent que si on se frotte les dents avec le siwak dans la matinée, il n'y a pas de problème, parce qu'à ce moment-là, l'haleine n'est pas encore bien forte. Mais c'est généralement à partir du zawal que on commence à sentir l'haleine du jeûneur. C'est pour ça qu'il voyait qu'il était détestable de le faire, pour conserver cette haleine qui auprès d'Allah Ta'ala est meilleure que l'odeur du musc. Vous avez vu l'istinbat, la force de déduction, comment ils vont chercher les ahkam loin, les jugements, les règles loin. Donc nous on est là, on fait tous attention à cette question, on revient tout le temps. Est-ce qu'on a le droit de se brosser les dents pendant le jeûne? Oui, on a le droit, en faisant attention bien entendu à ne pas ressentir le goût du dentifrice dans la gorge, donc en crachant le dentifrice bien sûr, comme on le fait tous quand on se brosse les dents, c'est normal. Parce qu'il y a des gens qui ont une horreur assez démesurée d'avoir une mauvaise haleine. Alors que, subhanallah, on voit les gens qui fument par exemple, ça ne les dérange pas d'avoir une odeur de pot d'échappement de doloche, de deux chevaux, très belle, les deux chevaux. Ça ne les dérange pas. Ils sont là, ils fument, ils parlent devant la bouche avec une odeur, on dirait, là, avaler un moteur de tracteur. De nihal. Il est là, je fume et vous n'êtes pas content, c'est la même chose. Intéressant, toi tu jeûnes, tu sais qu'Allah Ta'ala il aime cela, tu sais que c'est l'odeur de ta bouche, elle est meilleure auprès d'Allah que celle du musc. Alors pourquoi t'en passer al-muhim. ثم قال رحمه الله تعالى للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه. Puis le hadith finit en disant que le jeûneur a deux joies qu'il va éprouver en jeûnant, du moins qu'il va éprouver. La première, lorsqu'il rompra son jeûne. أتتوقعون معشر الإخوة أن فرحته بسبب تناوله الطعام بعد جوع دام النهار كله؟ لا والله، وإنما فرحه لأن الله تعالى أعانه ووفقه حتى أتم صيام ذلك اليوم. وبذلك ينبغي على المؤمنين أن يفرحوا لا بغير ذلك. Est-ce que vous pensez, mes frères, que le jeûneur est content quand il rompt son jeûne parce qu'il mange après avoir éprouvé la faim toute la journée? Ça, c'est moins ça. Mais les vrais jeûneurs, eux, c'est pas pour ça qu'ils sont contents. Ils sont contents parce qu'ils disent Alhamdoulilah, j'ai réussi à jeûner aujourd'hui. Allah m'a permis d'y arriver et de finir la journée. C'est ça la farha du croyant. C'est parce qu'Allah lui a permis de l'adorer. C'est comme l'Eid. L'Eid, qu'on appelle nous la fête. C'est une fête pour le tari'. C'est une fête pour l'obéissant. Parce qu'il est content. Allah lui a permis d'accomplir un des piliers de l'islam. Et il espère qu'il l'a accepté de sa part. C'est pour ça qu'il est content. C'est lui qui a le droit d'être heureux et d'être joyeux. C'est comme Omar ibn Abdel Aziz, alors qu'il était calife, il n'avait pas d'argent pour acheter ses enfants des nouveaux vêtements pour l'Eid. Alors qu'il était calife. Et les gens, dans ces ayams, ils wassi'ouna ala ayalihim. Et généralement, les gens, à ces moments-là, dans ces occasions-là, ils font des cadeaux, ils offrent des choses à leurs enfants. Donc après Salat l'Eid, Omar radhiyallahu ta'ala pour ses enfants avec leurs vêtements usés, raccommodés, et les enfants des gens avec des vêtements tout neufs, et il est triste. Alors il se met à pleurer. Ses enfants lui disent: pourquoi tu pleures? Il a dit: je pleure parce que nas yafrahun wa farahu awladahum haythum ishtaraw lahum malabis jadida wa antum irtadaytum malabisakum alqadima albaliya. Faqalu ya abati laysa al'id liman labisa aljadid.
leur a dit, moi je suis triste parce que vous êtes là, vous avez des vêtements usés, anciens, alors que les gens, ils ont acheté à leurs enfants des vêtements neufs et beaux. Et ils lui répondirent, ô père, le Eid n'est pas pour celui qui a des nouveaux vêtements. Le Eid est pour celui qui a peur du jour du jugement. C'est pour ça, c'est pour lui que lui il a raison d'avoir peur et de, je veux dire, d'être heureux. Un mal autre qui désobéit à Allah Ta'ala le jour de l'Eid, il est content parce que là, c'est bon, c'est débarrassé du siyam. Non, la yuhiqu lahu an yafrah. Pareil pour celui qui passe sa journée, yasoum, walakin la yasoum fi jawarihi illa lisanu. Il jeûne, mais le seul membre de son corps qui jeûne, c'est sa langue. Enfin, sa langue. Son ventre, plutôt. Sa langue, elle ne jeûne pas. L'axe. Le kadhib, le zour, le ghiba, le namima, le fuhsh, le bada'a, il a réalisé d'alik. Toutes les choses interdites à faire avec sa langue, il les fait. Avec ses yeux, il les fait. Avec ses oreilles, il les fait. Il a réalisé d'alik. Par contre, il s'abstient de manger et de boire. Hadala yinfa'u. Puis quand l'heure de Maghrib arrive, il regarde leur impatiemment, il est comme ça, comme l'athlète sur les starting blocks qui attend le départ de la course. Ready, steady, go. Avant Marc, prêt, feu, partez. Puis part. Puis après, en même pas 5 minutes, il a bu 2 slabs, il a mangé 4 briques et il s'est fait 3 sandwichs. Sans compter les petits trucs qu'il y a en plus. Et après, pendant 3 heures, il te guérit. Ah, ça se met. Tout le monde a fait le tarawih. On a fait le tarawih. Quand on a fait le tarawih, on a fait le tarawih. Ils sont après, comme ils ont mangé vite, beaucoup. Vous savez, c'est naturel. Hein. Soit ça développe le hoquet, soit ça fait des remontées qui font rôter. Et pendant le tarawih, on entendait que dans un concerto de crapauds qui croassent. Ala kulli hal, c'est pas le but. Ce n'est pas le but. La farha du sa'im, inda fitrihi, c'est parce qu'il est heureux, il est content. Il dit Alhamdulillah, alladhi a'anani ala ta'atihi. Wa waffaqani hatta sumtu thalika al-yawm. Wa baqitu fil masjid. Wa ihtafaztu ala siyami. Wa lam uftir. بعيني ولا بأذني ولا بلساني ولا بيدي ولا بغير ذلك. Il est content parce qu'il a réussi à jeûner ce jour-là. Il est content parce qu'il espère qu'Allah l'a accepté de sa part. Il est content parce qu'il estime avoir préservé son jeûne et ne pas l'avoir rompu avec ses yeux, ses oreilles ou autre. Il espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. وأما الفرحة الثانية فعند لقاء ربه. Quant au second, à la seconde joie, c'est que quand il rencontrera son Seigneur subhanahu wa ta'ala, quand il verra toutes les récompenses qu'Allah ta'ala lui a promises, du moins lui offrira ce jour-là pour avoir jeûné. Hadihi farhatu. Et celui qui sera heureux le jour où il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala, la yahzanu ba'da dhalika abada. Jamais il ne ressentira de tristesse après cela. Lian alladhi يحب لقاء الله ولم يزل حيا وإن كان يحتضر قبل أن تحضره الوفاة فيحب الله لقاءه فكيف بالذي يفرح عندما يلقى ربه فلا بد أن يجد عند الله تبارك وتعالى سبب فرحته وشيئا يجعله يفرح بحق. Celui qui est heureux en rencontrant Allah subhanahu wa ta'ala. Vous connaissez le hadith, celui qui aime à rencontrer Allah, Allah il aime à le rencontrer. Ça c'est la fin de ta vie. Au dernier instant, lorsque la mort se présente à toi, lorsque tu es en train d'agoniser et de mourir, tu vois les anges de la miséricorde et ils t'annoncent de bonnes nouvelles. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Tu vois les anges, ça y est, enfin, ils deviennent visibles. Et ils t'annoncent de bonnes nouvelles. Et ils ont des visages radieux. Alors là, tu es content. Tu dis, ah, je vais rencontrer Allah Azza wa Jal. Et là, Allah, il aime à te rencontrer. Ça, c'est ici, bas encore, tu es encore vivant, avant de mourir. Qu'est-ce qu'on doit dire alors de celui qui rencontre Allah le jour de la résurrection? Il est content aussi.
S'il est content, c'est qu'il a trouvé auprès de lui une cause pour être content et joyeux. Parce que le jour de la résurrection, il y en a qui seront contents, d'autres qui ne le seront pas. قال الله تبارك وتعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. Le jour où il viendra, aucune âme ne parlera sans sa permission. Allah Azza wa Jal. Et parmi eux, il y aura des malheureux et des heureux. فما الذين شقوا ففي النار وما الذين سعدوا وفي قراءة سعدوا ففي الجنة. Ceux qui seront tristes ou malheureux, ils seront en enfer. Quant à ceux qui seront heureux et joyeux, eux, ils seront au paradis. Allah dit quoi, subhanahu wa ta'ala, de celui qui recevra son livre dans sa main droite, وَفَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Quant à celui qui recevra son livre dans sa main droite, il sera jugé d'un jugement facile et retournera auprès des siens heureux, مَسْرُورًا, heureux, joyeux. يَفْرَحُ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. Toute sa vie, il avait peur, il ne savait pas est-ce que ses actions ont été acceptées ou non. Il a toujours eu cette crainte d'arriver devant Allah et de ne rien trouver qui a été accepté. Mais non, Allah Ta'ala lui, le ravira en lui faisant voir ce qu'il a accompli comme action et qu'elles ont été acceptées. Alors il sera heureux ce jour-là. Ja'alana Allahu wa iyyakum minhum. متفق عليه وهذا لفظ رواية البخاري وفي رواية له يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. Dans une autre version qui est chez Bukhari toujours, donc le hadith qu'on va voir ensemble est chez Bukhari et Muslim. Dans une autre version, Allah Ta'ala dit يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. Le jeûneur, il délaisse sa nourriture, sa boisson et son désir sexuel pour moi. Et de là, les ulama, ils ont dit que ummahatu al-mufattirat hadhihi al-umur al-thalatha al-ta'am al-sharab al-jima' wa ma yatafarra'u 'anha. De là, les savants, ils ont dit que les trois bases de ce qui annule le jeûne découlent de ce qu'on vient de voir: la nourriture, la boisson et les rapports intimes. Et tout ce qui découle de cela. Tout ce qui découle de ces choses-là. Aussi, les ulama ont déduit de cela que al-istimna yufattir wa huwa qawlu al-jamahir khilafan lima dhahaba ilayhi ahlu al-zahir, ahlu al-zahir. Et de là, ils ont aussi déduit que la masturbation annule le jeûne. Et c'est l'avis majoritaire chez les fuqaha, contrairement à une très petite minorité de savants qui ne l'ont pas considéré comme étant un acte annulatif du jeûne. Parce que al-shahwa, c'est fil inzal, yatahaqqaqu fil inzal. Donc la shahwa, elle se réalise, elle se concrétise dans l'éjaculation. Et l'éjaculation, elle aura lieu soit à travers al-jima', le rapport, ou soit à travers la masturbation. Chez les Hanabila, yudkhiluna fi hadha al-nadhi alladhi sala bi sabab al-mubashara amma alladhi tafakkara wa ta'ammaqa fi at-tafkir hatta amdha fa siyamuhu sahih. Chez les Hanabila, al-nadhi, le liquide séminal, le pré-spermatique, qui est sécrété suite à une forte envie sexuelle, si il coule à cause d'un contact physique avec son épouse, il annule le jeûne. Si par contre il coule à cause d'une réflexion profonde, sans qu'il n'y ait de contact physique, il n'annule pas le jeûne. فيها خلاف بين أهل العلم بين عفوا أهل العلم لكن هذا قول الحنابلة على كل حال. Donc on va au maximum faire attention au contact physique avec l'épouse. إذا لم يكن أحدنا يملك إربه. Si l'un d'entre nous ne maîtrise pas son envie.
لذلك اختلف أهل العلم في القبلة للصائم ما حكمها. C'est pour ça que les savants divergent sur le fait d'embrasser son épouse quand on jeûne. Quel est le jugement? On a des hadiths clairs et authentiques qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Lakin, on a des ulama qui disent إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَمْلِكُ إِرْبَهُ وَلَا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا حَرَجَ لَهُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ شَابًا قَوِيَ الشَّهْوَةِ قَدْ لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ فَخَيْرٌ لَهُ أَنْ يَجْتَنِبَ ذَلِكَ. Les savants ils disent que si la personne elle est sûre d'elle et qu'elle se maîtrise et se contrôle et n'a pas peur d'aller trop loin, alors elle n'a pas, il n'y a pas de mal pour elle d'embrasser son épouse. Si par contre c'est quelqu'un de jeune sans le, l'accent circonflexe, de jeune qui vient de se marier et qui a une forte envie et qui a peur en embrassant son épouse de d'aller trop loin ou de sécréter du mavi, le liquide pré-spermatique, alors il sera préférable pour lui d'éviter. Et dans les coulis maqamin, maqal. قال رحمه الله أو قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل الصيام لي وأنا أجزي به وهذا قد تحدثنا عنه في الدرس السابق والحسنة بعشر أمثالها. Puis la version de Bukhari la seconde finit avec la même phrase qu'on a déjà vue précédemment. Le jeûne est à moi et c'est moi qui le récompense, c'est moi qui détermine la récompense. On en a parlé la dernière fois. Puis il finit en disant wal hasanatu bi ashri amthaliha, alors que le, la bonne action vaudra 10 fois sa valeur. Ça c'est la c'est le minimum. C'est le minimum. Al hasanatu bi ashri amthaliha aw yazid. Was sayyi'atu bi mithliha aw ya'fu. Wa la yahliku 'ala Allah illa halik. والله هذه العبارة عظيمة جدا لو كنا ندركها ونعقلها ونعيها. La bonne action auprès d'Allah Azza wa Jal, elle est multipliée au minimum par 10 fois sa valeur. Ou Allah Ta'ala y rajoute. Ma dhabit fi ziyada. Comment est-ce qu'Allah Ta'ala, sur quel critère, sur quel principe, sur quelle base il détermine la multiplication? Comment on appelle ça? Le quotient. Non, pas le quotient. Le facteur. Sur quelle base il le détermine? Est-ce qu'il va multiplier la récompense par 10 ou par 100 ou par 700 ou par plus? Sur al-ikhlas. Kullama kana al-abdu akhlasa fi qasdihi كانت المضاعفة أعظم. C'est sur la pureté de ton intention. Plus ton intention elle est pure dans l'action, plus la multiplication elle sera grande. Jusqu'à 700 fois et jusqu'à plus encore. Et à l'inverse, le péché, la mauvaise action, Allah ne la multiplie pas. Elle ne vaudra que ce qu'elle vaut. Il la pardonne et l'efface. Et c'est pour ça qu'on trouve dans de nombreuses traditions de narration prophétique, le prophète qui dit وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا هَلِكُ. Il n'y a que le plus perdu des gens qui peut perdre devant Allah Azza wa Jalla, qui peut périr. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que toi, tu fais un certain nombre de bonnes actions dans la journée et un certain nombre de mauvaises actions. Mais tu pars du principe où Allah Ta'ala il multiplie les bonnes actions. Et il ne multiplie pas les mauvaises actions. Et qu'il les pardonne. Notamment, al-salawat al-khams, wal-jumu'ah ila al-jumu'ah, wal-ramadan ila ramadan, wal-umratu ila al-umrah, mukaffiratu lima baynahunna ma tujtanibat al-kaba'ir. Entre les 5 prières obligatoires, du vendredi à l'autre, du ramadan à l'autre, de la umrah à l'autre, eh bien, tout les péchés accomplis entre ces intervalles sont expiés tant qu'on évite les grands péchés. Alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam. Ceux qui évitent, ils s'éloignent des grands péchés, sauf
Et il y a des turpitudes, qui sont des grands péchés. Il y a la même, chez la même, sagaïr. Sauf les petits péchés. On ne peut pas les éviter, ce n'est pas possible. Mais, alhamdulillah, c'est des choses qui s'effacent toutes seules avec les prières obligatoires, le vendredi, Ramadan, la Umrah, al-Istighfar et les bonnes actions. Rajoute à ça le fait qu'Allah Ta'ala dise Inna al-hasanat yudhibna al-sayyi'at. Les bonnes actions font partir les mauvaises. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam Watbi'i sayyi'at al-hasana tamhuha. Fais suivre la mauvaise action par une bonne, elle l'effacera. Avec tout ça, mes frères, il y a des gens, ils vont arriver devant Allah Azza wa Jal et leur balance de bonnes actions sera plus légère que leur balance de mauvaises actions. Comment c'est possible? Comment c'est possible, billah alayhi, avec tout ça, d'arriver devant Allah et d'avoir plus de mauvaises actions que de bonnes actions? Mais combien de mauvaises actions faisait celui-là en fait? Et combien de... Et est-ce qu'il faisait des bonnes actions aussi? C'est pour ça, la yahliku ala Allah illa ahlik. Et wallah, celui qui sait comment ça marche avec Allah Azza wa Jal, Inch'Allah Ta'ala, il a raison d'être confiant et d'espérer sa miséricorde. Tout en craignant deux choses. Que ses péchés ne soient pas pardonnés et que ses bonnes actions n'aient pas été acceptées. C'est pour ça que le croyant, même s'il fait beaucoup de khayr, là il retarde. Il ne se fait pas tromper par le bien qu'il accomplit. Il reste malgré tout craintif. Il reste prudent. Il ne se fait pas avoir. Ah, anta. Tu salli fil waqt, wa fil masjid, wa fil safi l'awwal. Wa la tafutuka salatun fil masjid. Wa taruddu basarak. Wa tumsiku lisanak. Wa tukthiru min qira'ati al-Qur'an. Wa tatasaddaqu ala al-fuqara'i ila ghayri dhalik. Qad yaqulu, qad yuwaswisu ilayka shaytanuka bihadha liyaqa'aka fi al-ghurur. Fatahlak. Ah, tu peux te faire avoir par ton diable. Il va te voir et dis-toi, masha'Allah. Toutes les prières à la mosquée, au premier rang, à l'heure, lis le Coran, tu fais attention, tu ne fais pas n'importe quoi, avec tes yeux, tes oreilles, il te couvre d'éloges. Pour qu'à la fin, tu tombes dans la fatuité, à l'ujb. Et que tu te complaises. Et que tu te suffises à ce que tu accomplis. Jusqu'à oublier de demander pardon, jusqu'à croire que tu as une place auprès d'Allah Azza wa Jal, puis après tes bonnes actions elles disparaissent en fumée et tes mauvaises actions elles restent. Et ainsi tu as trompé. Donc il faut toujours faire attention, toujours. Donc, le bien, comme il disait Salaf, Al-khayr alladhi amilta insa. Wa-shar alladhi amilta la tansa. Le bien que tu as accompli, oublie-le. Ka'annaka lam ta'mal shay'a. Comme si tu n'avais rien fait. Quant au mal que tu as fait, lui, ne l'oublie pas. Waldam alayhi. Wa akthir min al-istighfari alayhi. Wa tub ila Allah. Et le mal que tu as fait, ne l'oublie pas. Et demande toujours pardon à Allah Azza wa Jal. Et repens-toi à lui. Et aie peur des conséquences de ce péché si Allah ne te le pardonne pas. Tu ne sais pas. Allah Ta'ala pardonne à qui il veut, certes. Mais toi, tu ne sais pas s'il va pardonner. Donc, il faut toujours rester dans cette optique-là. Et wa fil hadith. المؤمن من سره حسناته وأساءته من سرته حسناته وأساءته سيئاته فهو المؤمن. Le croyant, c'est celui qui est réjoui par les bonnes actions qu'il accomplit, il est content. Et celui qui est attristé par les mauvaises actions qu'il accomplit. Celui qui réagit ainsi, c'est lui le croyant. على كل حال Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Celui qui arrive devant Allah, comme je vous l'ai dit, mes frères, puis il n'a pas de hasanat pour alourdir sa balance. Il a que des sayyi'at pour alourdir sa balance dans le mal. C'est lui le vrai halik. Il n'y a pas plus perdant que lui. Il n'y a pas, ça n'existe pas avec tout ça. Imagine-toi une transaction commerciale. Je te dis, Akhi, Abdullah, là-bas, il y a quelqu'un, tu donnes 1 euro, on t'en donne 1000. Est-ce que nous, on va partir là, on va se dire, bon, c'est bon, ça ne m'intéresse pas, ça n'existe pas. Ou bien, on va prendre un autre exemple. Tu vas voir quelqu'un, si tu le rends service, un service très simple et très facile à faire, qui ne prend pas de temps, il donne 1000 euros.
Tu vas réfléchir, moi, tu ne réfléchiras pas. Les gens vont partir en courant. Et plus le service que tu lui rends, il est fait bien, et plus le salaire qu'il te donnera, il sera important. Imagine, il y en a qui partent, et ils disent quoi ? Laisse tomber, j'ai tellement mal travaillé que je lui dois de l'argent. Mais toi, tu étais nul, toi. C'est comme ça qu'on va réagir. Alors, t'as rien compris, toi. Alors là où les gens ils gagnent des milliers d'euros, voire plus encore, toi, ton père, toi, t'es le plus nul du monde. C'est comme ça qu'on va le voir. Eh bien, imaginez-vous, avec Allah Ta'ala, il est hasad, il essayait toujours la résurrection. Tous les moyens qu'Allah nous a donnés pour avoir des hasanat et pour ne pas avoir de seyyiat, et il y en a qui vont arriver sur la résurrection, ils n'auront pas de hasanat, ils auront des seyyiat. Hada huwa al-haliku haqqan. C'est pour ça qu'Allah il a appelé sur la résurrection, yawmu al-taghabun, al-ghubn. C'est le déficit quand tu perds dans une transaction commerciale. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. Parce que ce jour-là, il y a des gens, ils vont perdre. C'est obligé. فنسأل الله السلامة والعافية. والعشرة والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. Puis dans une version de l'imam Muslim رحمه الله تعالى qui reprend un peu ce qu'on a vu précédemment dans un ordre différent, toutes les actions du fils d'Adam sont multipliées, la bonne action par 10 fois sa valeur jusqu'à 700. Allah Ta'ala dit, sauf le jeûne. Sur quoi l'exception elle tombe ici? Sur Al-Had. Sauf le jeûne. C'est-à-dire que le jeûne ne sera pas multiplié par 700, mais par plus. Parce que c'est Allah Ta'ala qui détermine sa valeur. C'est-à-dire qu'il est multiplié par plus encore que 700 fois. Et qu'Allah Ta'ala qui sait à quel point le jeûne vaut comme hasanat. Puis après il dit yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli, donc il délaisse sa nourriture ainsi que son désir sexuel pour moi, lis-sa'imi farhatan, pour le jeûneur deux joies, une joie lorsqu'il rompt son jeûne et une joie lorsqu'il rencontre son Seigneur. Donc vous savez quand l'heure de Maghrib arrive et qu'on rompt son jeûne et qu'on dit ذَهَبَ الظَّمَأُ وَبَتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ, eh bien, on dit que la soif s'en est allée et que les veines ont été éprouvées et que la récompense est ferme et maintenue si Allah Ta'ala le veut. Donc on espère que la récompense soit inscrite de la même façon qu'on a pu étancher sa soif et abreuver ses veines. D'ailleurs, il dit Faïda, d'abord tu manges, après tu le dis. Pas l'axe. Il y a beaucoup de gens, ils yuqaddimuna ad-du'a 'ala al-iftar. Wa hadha khilaf as-sawab. As-sawab an ta'kula was-sunnah an ta'kula tamaratin witran fa in lam tajid an tahtasiya shay'an min al-ma'. Thumma tab'an ba'da an qulta bismillah, thumma taqul ad-du'a al-warid. Pour la faïda, il y a beaucoup de gens qui inversent l'ordre, qui vont d'abord dire l'invocation, puis après ils vont manger. Non, tu dis bismillah, tu manges, mais la sunna de manger des dattes dans un nombre, en nombre impair, si tu n'as pas, alors tu commences avec de l'eau, après tu dis ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Donc cette joie à ce moment-là, استحضر. Nia. À ce moment-là, pense à ce qu'on vient de dire. Pense au fait qu'aujourd'hui, walhamdulillah, tu as pu jeûner dans des conditions assez simples. Billah alaykum, bayni wa baynakum. C'est facile. On n'éprouve pas de faim exagérée. On n'éprouve pas de soif qui va nous rendre malade ou nous faire perdre nos moyens. Non, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Moi, je parle tellement que si je pouvais cracher, je cracherais. J'ai trop de salive, gars.
je peux arroser des buissons. On n'est pas dans le problème. Et les salafs disaient d'eux, quand ils jeûnaient, ils avaient les lèvres tellement gercées qu'elles étaient fissurées. Ils avaient la langue tellement sèche qu'elle devenait noire. T'imagines-toi? On est déjà arrivé à ce stade-là? Jamais. On a des langues bien roses, des lèvres bien, bien pulpeuses. On n'est pas arrivé à ce stade-là. Nous, on ne connaît pas les jours de jeûne. Personnellement, j'ai eu l'expérience de jeûner à la Mecque pendant Ramadan, c'était au mois de juin. Ah, c'est quelque chose. Hein. Quand il fait 60 degrés dehors, et qu'un quart d'heure dehors équivaut à 20 heures ici, tu comprends pourquoi les gens ne sortent pas de la journée là-bas hein? Ah, c'est quelque chose, machallah, de jeûner dans les pays où il fait vraiment chaud, en été. Là, tu comprends le hadith que celui qui jeûne un jour de forte chaleur, fi sabilillah, Allah, il éloigne son visage de l'enfer de 70 années. C'est quelque chose de forte chaleur. Même nous ici, les fortes chaleurs, c'est tranquille. C'est pas méchant. Donc Allah, il nous a facilité, même le jeûne, il nous a facilité. Donc on doit être reconnaissant envers Allah de nous avoir facilité l'adoration. Alors que pour d'autres, c'est pas aussi facile. On a entendu des gens appeler des mashayikh pendant la Ramadan et leur dire ma indana ma nuftiru bihi li shiddati al-faqr. Fama al-hukm. T'imagines-toi? Il y a des gens qui ont appelé des mashayikh et leur ont dit on n'a pas de quoi rompre le jeûne tellement on est pauvre. Comment on fait? Comment on fait? Je me rappelle un cheikh, on lui posait cette question, il s'est mis à pleurer, il n'a pas pu répondre, non, il pleurait. Nous, on notable, les sous garnis, on veut que tu en vois là. Il y a plein de choses qui partent à la poubelle tellement. Il y a de la nourriture préparée et il y a trop pour nous. Et des gens, au moment où il faut iftar, ils n'ont pas de quoi iftar. Ils ne savent pas comment faire. Comment on fait? Imagine que tu es bloqué dans quelque part, ta voiture ne tombe pas dans l'autoroute et c'est l'heure de Maghrib. Comment tu rends ton jeûne? Avec l'ahsant, avec la binniya. Tanoui al-iftar. Wayakfi. T'as l'intention de rompre ton jeûne, ça suffit. Comme quelqu'un qui prie et qui veut sortir de la prière, an-niyatu taqta al-amal. L'intention, elle suffit pour couper l'action. On voit des gens, des fois, ils font la prière, puis d'un coup, il fait salam et il part. Si tu veux sortir de la prière, niyatu taqfi. Ton intention, elle suffit. فنسأل الله تعالى أن يكون في عون إخواننا الضعفاء المستضعفين الفقراء وأن يقيض من عباده من يكون في من يحملهم ويطعمهم ويحميهم ما أحوجنا إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه. On passe au hadith suivant. Toujours d'après Abi Huraira رضي الله عنه. فتدي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله. Celui qui dépense deux pères. Zawj, c'est une paire, c'est un couple, un groupe de deux. Il dit Zawjaini, man anfaqa Zawjain. Wa fi riwaya il hadith, qila wa ma Zawjain, qala farasan, aw ijlan, aw ba'iran, ila akhiri. Dans une version, les sahaba radiallahu anhu ont dit c'est quoi? De quel père s'agit-il? De quel groupe de pères s'agit-il? Il a répondu, soit deux chevaux, soit deux veaux, soit deux dromadaires. Il a créé. Al-Maqsoud, c'est qu'ici, on fait référence à A'mal al-Birr, mais c'est Fatin Am. On fait référence ici aux actions méritoires de façon générale, notamment dans le fait de les dépenser, fi sabilillah subhanahu wa ta'ala.
Et il a dit Zawjayn pour indiquer la quantité. C'est que plus on donne, plus on mérite la récompense. Tab'an, plus on donne quand on a. Amma al-muqil, fa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Et quant à celui qui n'a pas ou qui n'a peu, ben il n'est pas, Allah ne le chargera pas d'un fardeau qu'il ne pourra pas supporter. Au fil hadith, khayru sadaqa juhdul muqil. Parmi les meilleurs aumônes, c'est l'effort fait par celui qui a peu ou qui n'a pas. Quelqu'un qui a 2 dirhams, on a 2 euros, et qui donne 1 euro, ben cet euro-là, il peut être meilleur que quelqu'un qui a 1000 euros et qui en donne 100. Donc tout est relatif. Al-Omur Nisbiya, c'est relatif. Celui qui n'a pas et qui donne malgré le fait qu'il n'est pas, eh bien lui, le peu qu'il donnera sera meilleur que le beaucoup de quelqu'un qui a. Al-Maqsoud, an yu'thira ghayrahu ala nafsi. Ce qui compte, c'est qu'il est, il est prêt à préférer autrui à lui-même, jusqu'à se priver pour donner aux autres. Ala kulli hal, man anfaqa zawjayn fi sabilillah nudiya min abwab al-jannah. Donc celui qui dépense 2 paires, que ce soit des bêtes qui serviront dans la guerre, parce que al-asl fi istikhdami fi sabilillah annahu yurad bidhalika al-qital. Hada huwa al-asl wa in kana madluluhum a'am. Mais c'est facile, am. Lorsqu'on trouve dans les textes fi sabilillah, al-mutabadir ila al-dhihn, ce qui vient à l'esprit en premier et ce qui est visé en premier, c'est tout ce qui a trait à la guerre, à la bataille, au combat. Même si, bien sûr, quand on dit fi sabilillah, c'est beaucoup plus large. Mais à la base, c'est que c'est cela qui est visé. C'est pour ça qu'on a, vu dans la, pour l'autre version, 2 chevaux, 2 chameaux ou 2 veaux. Tout ce qui va servir dans la bataille. Donc celui qui dépense dans tout ce qui va servir à la bataille, ou bien de façon générale dans le bien, Zawjayn, ce qui fait référence à la quantité, ne va pas se contenter de donner qu'une seule fois ou qu'une seule paire, il en donnera 2, parce que lui il vise Al-Ajr, et plus tu donnes, plus tu seras récompensé. Nudiya min abwab al-jannah, il sera appelé des portes du paradis. Allah dans le Coran ne nous dit pas il y a combien de portes au paradis, mais il nous dit il y a combien de portes en enfer. Allah dit subhanahu wa ta'ala, wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Il y a 7 portes en enfer, 7 portes. Et dans le hadith on apprend qu'il y a 8 portes au paradis, 8 portes, et que ces portes là donc font référence à des actions méritoires. Et celui donc qui dépense ses 2 paires dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, il sera appelé de ces portes-là. Nudiya min abwab al-jannah. Et ces portes-là, pendant le mois de Ramadan, elles sont ouvertes. Du début du mois jusqu'à la fin. Pour motiver les croyants à faire le plus de bonnes actions pour pouvoir y rentrer. Regarde, toi t'es devant la porte d'un magasin où il y a une promotion à 90%. C'est une promotion, machallah. Les gens, ils font des pompes devant la porte quand elle est fermée. Ils font des squats. Ils s'échauffent. Parce qu'ils sont, ils savent qu'ils vont courir pour arriver le premier au rayon. Imagine qu'ils mettent des barrières, mais qu'ils laissent la porte ouverte et toi tu vois à l'intérieur. Comment ils sont les gens? On est comme ça. Oh, regarde la télé là-bas, moins 90%. Regarde le. Si, il va chercher, il va calculer. Bon, pour arriver là-bas, je vais devoir courir, je vais pousser celui-là, faire un croche-pied à l'autre, tirer le dernier, j'arrive. Et là-bas, ah, je regarde mon porte-monnaie, il va calculer. Oh mince, il manque 10 euros. Bon, j'ai encore le temps, la porte elle est ouverte, c'est pas encore accessible. Je vais aller chercher. Ils vont tout faire pour ça. Là, pendant tout le mois, les portes du paradis sont ouvertes. On devrait faire la même chose. Le paradis, on ne le voit pas. Mais Allah nous l'a décrit dans le Coran. Et le prophète nous l'a décrit dans la Sunna. Donc on doit garder ça en tête. On doit garder en tête la Jannah. Les portes, elles sont ouvertes. Il faut que je fasse des actions pour y aller.
pour pouvoir y entrer. Et il n'y a pas une meilleure période dans l'année pour faire les actions pour y entrer que le mois de Ramadan. Et il n'y a pas une meilleure période dans l'année pour se faire pardonner les péchés qu'on a faits qui nous empêcheraient d'y entrer que le mois de Ramadan. Donc est-ce qu'on est vraiment conscient de cela? Donc, il est appelé des portes du paradis. Manil Munadi Avahir Al-Nahum Al-Malaïka. Qui est celui qui appelle? Il apparaît, Wallahu Ta'ala A'lam, qu'il s'agit des anges. Ce sont les anges qui appellent. Ya Abdallah, hada khayr. Hada alladhi qumta bihi min al-infaqi fi sabilillahi khayrun yuhsabu lak. Wa tajiduhu inda rabbika yawma liqa'i. Ils lui disent, ô esclave d'Allah. Et comme il disait le Qadi Iyad, rahimahullah ta'ala, وَمِمَّا زَادَنِي فَخْرًا وَتِيهَا وَكِدْتُ بِأُخْمُصِ أَطَأُ الثُّرَيَّ دُخُولِي تَحْتَ قَوْلِكَ يَا عِبَادِي وَأَنْ صَيَّرْتَ أَحْمَدَ لِي نَبِيًّا. Et comme il disait le Qadi Iyad, rahimahullah ta'ala, et ce qui me rajoute fierté et vanité, et avec quoi de mes pieds je pourrais fouler les étoiles, le fait de rentrer dans ton appellation, dans ton appel, ô mes esclaves, le fait qu'Allah Ta'ala il te considère et te compte en, lorsqu'il dit ô mes esclaves, ça doit faire naître chez toi de la fierté et de la vanité positive, bien sûr, pas par rapport aux autres. Et tellement heureux qu'on pourrait s'envoler jusqu'à aller dans les étoiles et fouler les étoiles. Ça y est, la pile elle est morte. Malinesh. Et ainsi, et aussi le fait de nous avoir envoyé Mohammed comme prophète, alayhi as-salatu wassalam. Donc, les anges t'appellent Ya Abdallah. Et le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, La tuturuni kama atratin nasara ibn Maryam. Innama ana abd, faqulu abdullahi wa rasoulu. Il disait, alayhi as-salatu wassalam, n'exagérez pas dans les éloges que vous me faites, comme l'ont fait les chrétiens envers Isa ibn Maryam. Bon, ça y est, vous êtes intéressé par le frère, on va attendre qu'il finisse, comme ça, vous pourrez vous reconnecter sur le réseau. C'est agile quand même, hein. Toujours pareil. Hein. Est-ce que je suis inintéressant à ce point pour que la moindre chose qui arrive vous fasse penser à autre chose? Après, c'est sa faute aussi, il est trop beau, machallah. Bon gosse, Allah, il a une belle doudoune en plus, elle est toute rouge. C'est normal que vous m'oubliez. Vous, je vous l'avais dit, hein. C'était Abdullah ibn Humayd, rahmatullah alayhi. D'abord, il a dit la chaîne, je te fais un Abdullah ibn Humayd, rahmatullah alayhi, qui a le sheikhan a'ma, la yubsir. Un sheikh. Il était aveugle, il ne voyait pas. Quand يدرس في البادية في الجزيرة العربية بكري. Il était donc aveugle avant dans la mosquée. Il donnait cours à la mosquée dans la campagne. Et un jour, دخلت بقرة المسجد وهو يلقي درسه على طلابه. Il y a une vache qui rentre dans la mosquée pendant que lui donne le dars. بقرة تخلك في الجامعة. J'ai tu fais بقرة تخلك. C'est sûr, une vache qui rentre, tu vas commencer à dire oh une vache, oh la vache. Et le cheikh, il est aveugle. Tabaan, les toulabs, ils n'ont pas osé interrompre le cheikh pour lui dire une vache. Quand c'est ils se sont restés silencieux. Mais le cheikh a hass bi fuqdan l'intiba. Il a compris, il a ressenti le cheikh que les gens, ils étaient plus connectés. Alors qu'est-ce qu'il avait? Akhadana alayh. Donc, Allah subhanakallahumma wa bihamdika thumma kharaja min al-masjid. Il a pris ses claquettes, il a fait le khatm et il est parti. Alors, rouhou an bghira bach tqarrikoum. Allez voir la vache, on va vous faire danser la vache. Elle va te faire sortir le makharaj mou. A la kulli hal. Ou la va te prendre un mdakh. Il a un mdakh de la hashisha. A la kulli hal. Non, hada tab'an sou adab ma'a muhadithikoum. C'est aussi un mauvais comportement envers celui qui vous parle. Imaginez-vous, moi, je vous parle et je ne vous regarde pas. Pendant un temps, je suis comme ça dans mon livre. Même, je ne vous regarde pas. C'est pas bien. Un ami, ça ressemble qu'il parle avec les gens, il les regarde dans les yeux.
Il leur donnait de l'importance. Il leur faisait comprendre qu'il était attentif et qu'il les écoutait. C'est pour ça que j'aime les choses, les chaises pivotantes comme ça je peux bouger des deux sens comme ça. Imaginez-vous, je fais dars et je ne regarde pas, je fais que lire. Tu n'as pas besoin de moi pour lire un livre. Laquelle ? Eh bien, si moi, je vous donne votre had, votre part et votre haq, et votre droit, en vous regardant, en vous parlant, même si vous êtes plusieurs, eh bien, un tout le monde, vous encore plus avec moi. Et ne pas vous laisser distraire à la moindre distraction. Sauf s'il y a quelque chose d'exceptionnel, genre comme un, je sais pas moi, genre un bonhomme qui descend du plafond et tombe dessus. Là. Oui, il l'a fait là. Qu'est-ce qu'on disait ici? Non, regarde ton livre, regarde. On était au Malek. Ah? On était au Malek. Tu peux en dire plus? Il a dit pour les serviteurs, mais. Ah, ça, barakallah, zakallah. T'as mal à l'égard, c'est l'Allah de Kafir. Alors, ça m'a rappelé, Cheikh Al-Azim, Ahmadullah Ali, quand il y a trop l'Atfal, le da'ibouhom, le yumazihouhom, ou taban, le yu'allimouhom, Cheikh est rentré chez les jeunes, les enfants, il leur faisait dars, et en même temps, il présentait avec eux, il leur posait des questions. Et il leur promettait des récompenses s'ils répondaient correctement. Alors, il a lu un hadith, le hadith de Adi ibn Hatim, radiallahu anhu. Non, le hadith de Tamim, Ad-Dari, Ad-Din al-Nasiha. Qulna liman ya Rasulallah. La religion, c'est la franchise. Envers qui ya Rasulallah? Après, il a dit, qui parmi vous connaît la réponse? Alors, un jour, il lève la main comme ça, il dit, l'Ilahi wa malaikatihi. Il dit, malaikatihi. Il veut une malaika. Il s'est trompé. Il a dit, envers Allah et ses anges. Je suis les anges. Comment je vais être franc avec les anges, où les anges, tu vois pas. Et c'est trompé, moi. C'était une parenthèse. Donc, on revient au hadith. C'est un honneur de faire partie des esclaves d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous interdisait d'exagérer dans les éloges qu'on faisait de lui. Il disait, je ne suis qu'un esclave. Dites, l'esclave d'Allah et son messager. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Subhanalladhi asra bi abdihi. ولما قام عبد الله يدعوه الى غير ذلك c'est comme ça qu'Allah décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam لذلك قيل ان اشرف المقامات مقام العبوديه c'est pour ça qu'il a été dit que les stations les plus nobles de toutes les stations que que l'être humain peut occuper la plus noble Le plus haut degré, c'est celui de la servitude, d'être l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez me dire, mais Allah dit dans le Coran, « In kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-Rahmani » Amda. On est tous les esclaves d'Allah azza wa jalla. Tout ce qu'il y a dans les cieux et sur terre ne sont que les esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sahih. Lakin, fihim. العباد تفضل اخي وفيهم العبيد يا parmi eux les bons et parmi eux les mauvais et quand Allah Ta'ala il veut honorer un de ses serviteurs il l'appelle abdi et dans le hadith al-Bara ibn Azib رضي الله عنه في رحلة الأرواح بعد الموت quand Rasoul il décrit le voyage des âmes après la mort quand il parle du croyant Allah Ta'ala dit اكتبوا كتاب عبدي في عليين inscrivez le registre de mon esclave au plus haut degré du ciel. Et quand il parle du Fajr, il dit Oktubu kitabahu fi sijjin. Inscrivez son livre, il ne dit pas Abdi. Hada la yastahiqu hada sharaf. Il ne mérite pas cet honneur-là. Donc si jamais les esclaves t'appellent Ya Abdallah, hada sharaf wa tashrif. C'est un honneur de la part des anges à ton égard de t'appeler. Ainsi, Ya Abdallah, c'est du bien que tu viens de faire. Les anges témoignent que l'action que tu viens d'accomplir, elle est bonne. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاتِ نُودِيَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاتِ Celui qui fait partie des gens de la prière, il sera appelé par la porte de la prière. Et celui qui fait partie des gens du djihad, il sera appelé de la porte du djihad. Et celui qui fait partie des gens du jeûne,
il sera appelé de la porte de Ar-Rayyan. Ar-Rayyan, ça vient de Ar-Ray. Wa huwa al-irtiwa. Idha inqata'a al-atash. Ar-Ray, en arabe, c'est le fait de ne plus avoir soif. Taqul irtawayt. Je n'ai plus soif. Avoir étanché sa soif. On appelle cette porte du paradis Rayyan en référence au fait que ceux qui y entreront n'auront plus jamais soif. Et il faut savoir que ce hadith, il est ancien et qu'on n'a pas trouvé, on ne trouve pas chez les musulmans, chez les savants, des gens qui s'appelaient Rayyan. Ce n'est pas un nom qui était donné. Jusqu'à ce que les musulmans du 20e et 21e siècle entendent parler de Brayan. Vous connaissez Brayan ? L'Américain avec les cheveux comme ça, là, qui vole avec le vent. Ce n'est pas les miens qui vont voler avec le vent. Ça passe bien. Rayan, Brayan. طبعاً أنا لا أسيء الظن بإخواني لكن أكاد أجزم أن كثيراً منهم لم يختر هذا الاسم لولده إلا من هذا الباب. Je n'ai pas de mauvaise opinion envers mes frères, mais je peux affirmer que beaucoup d'entre eux, de ceux qui nomment leur fils Rayan, c'est pour ça. Quand tu vois le profil des parents, ce n'est pas des gens du jeûne, c'est plus des gens jeunes, jeunes d'esprit notamment. D'ailleurs, les Maghrébins, les musulmans des autres pays, de la génération de nos parents, je fais un hadith mouraïen, à Kench. Vous voulez ? Regardez vos pères, vos grands-pères, pour ceux qui sont d'origine musulmane, est-ce qu'il y en a un qui s'appelle Rayan ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais ça passe bien. Moi, une fois, il y en a un, il m'a dit, est-ce que je peux appeler mon fils Son Gohan ? Voilà. Moi, je rigolais. Attends, Son Gohan. Son Gohan, c'est un personnage dans un dessin animé japonais. Gohan, en japonais, ça veut dire le khubz. Brice Nul du khubz. En japonais. On gagne que. Je dis, comment il dit que Son Gohan. Non, mais je vais l'appeler Mohamed Son Gohan. La hawla wa la quwwata illa billah. On sait, bah, Allah, on vit un zaman ma agraba. On n'a jamais vu un zaman plus étrange que celui-ci, Allah. Mohim. Donc, baqiyat al-hadith wa tatimmatuhu tadullu ala anna al-maqsuda bil zawjayn al-mazkurayn fi awwalihi madluluhuma 'am li'anna النداء سيحصل من جميع الأبواب وكل باب مرتبط بعمل من الأعمال الصالحة الصلاة الجهاد الصيام إلى غير ذلك. Et donc la fin du hadith elle nous indique que les deux pères dépensés dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala ont une portée beaucoup plus large que ce qui a un rapport avec la bataille et le combat. Parce qu'on fait référence à toutes les portes du paradis qui sont toutes liées à une action méritoire importante. La prière, le jeûne et le combat. Puis dit وَمَنْ كَالَ مِنْ أَهْلِ صَدَقَةِ دُعِيَا مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. طبعاً, quand on dit مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ, مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ, مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ, مِنْ أَهْلِ الجِهَادِ, c'est quelqu'un qui n'est connu مَا عُرِفَ إِلَّا بِهَذَا الْعَمَلِ لِإِكْثَارِهِ. C'est quelqu'un qui le fait beaucoup jusqu'à ce qu'il soit connu par rapport à cette action-là. C'est pas quelqu'un comme vous, comme moi, surtout moi, qui se contente du minimum. Que des fara'id, pas de nawafil. Dans ça, les gens ne se distinguent pas les uns des autres. On fait tous la prière. On fait tous 5 prières par jour. Donc, en quoi quelqu'un qui fait la prière obligatoire sans plus, il ferait partie de Ahlus Salah? Là, on parle de celui qui fait la prière obligatoire et qui fait beaucoup de prières en dehors de ce qui est obligatoire. Pareil dans les aumônes, pareil dans le jeûne et pareil dans Al-Jihad. Dans toutes ces choses-là.
Pas seulement quelqu'un qui fait l'obligatoire. Dans ces actions-là, les gens sont pareils. Ils sont tous pareils. Donc si tu veux te distinguer des autres qui font les mêmes actions que toi, la seule chose qui te reste, c'est d'en faire plus qu'eux. Donc il y a des gens qui vont tellement prier qu'on les appellera par la porte de la prière. D'autres qui vont tellement faire l'aumône qu'on va les appeler par la porte de l'aumône. D'autres qui vont tellement jeûner qu'on va les appeler par la porte du jeûne. Et pas seulement Ramadan, comme dans le hadith. As-salawat al-khams, yu'addiha, ou yuqimuha, al-barru wal-fajr. Wa-siyamu Ramadan, yasumuhu, al-barru wal-fajr. Wa-zakah, yu'addiha, al-barru wal-fajr. Les sahaba, radiyallahu anhum, ils avaient une mauvaise opinion de celui qui faisait quelques obligations. Ils disaient, Adam, c'est pas normal. Mais Adam, je vous avais Adam. T'imagines ? Qu'est-ce qu'ils auraient dit de nous alors ? Quand les obligations, elles sont faites limite, sans parler des péchés qui les accompagnent. À la kulli hal. Donc Abu Bakr, radiallahu anhu, l'entend ça. Il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abi, anta wa ummi ya Rasulallah. Que tu sois libéré dans l'éventualité où tu serais capturé en donnant en rançon mon père et ma mère. Fida. C'est ce qu'ils faisaient avant les Arabes pour exprimer l'amour qu'ils avaient pour quelqu'un. Et quand ils s'y attachaient beaucoup. Une expression qui dit que s'il fallait donner mon père et ma mère en rançon pour te libérer, je l'aurais fait. Bi abi, anta wa ummi ya Rasulallah. Les sahaba ta'an, ils le faisaient tous pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, il l'a fait que pour deux personnes. Qui sont-elles? Le rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à deux personnes, toute sa vie, fida ka abi wa ummi. Wahadi arif? Quelqu'un le sait? Chouel? Non, pas Mouad ibn Jabal. Vas-y. Son père et sa mère? Non, pas son père et sa mère. لا ما شاء الله بكر عمر. تصل؟ pour طلحة، pardon pour سعد بن أبي وقاص، pendant la bataille de Uhud، c'est derrière lui et سعد tirait des flèches. الرسول كان يمده النبل من كنانته ويقول إرمي فداك أبي وأمي. il lui donnait les flèches en lui prenant son carquois et il lui disait tire au سعد. فداك أبي وأمي. إلا زيوسي الزبير بن العوام رضي الله عنهما. Imagine, c'est de là quelle valeur ils avaient رضي الله عنهما. على كل حال أبو بكر يجي بأبي أنت وأمي. سؤال, هل يجوز أن يقال مثل ذلك لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم, يجوز أن يقال مثل ذلك لغير النبي صلى الله عليه وسلم, حيث لا يراد حقيقة هذا التعبير وإنما يراد المبالغة في الحب. أحسنت, مجاز. Est-ce que j'ai le droit de le dire pour quelqu'un d'autre? Par exemple, quelqu'un que j'aime beaucoup, quelqu'un avec qui j'ai appris le Coran par exemple, envers qui je suis redevable toute ma vie, est-ce que j'ai le droit de le dire بأبي أنت وأمي? نعم, les choses. Les salafs, ils le faisaient aussi entre eux, notamment envers leurs professeurs. Et parce que c'est une expression, c'est une image qui n'est pas voulue réellement, dont le but est d'exprimer la force de l'amour que l'on a envers la personne. بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة. المقصود, celui qui sera appelé par ces portes-là n'aura rien à craindre. لا يخشى ضررا. Si jamais l'un d'entre nous ou quelqu'un sera appelé par les anges par l'une de ces portes, il n'aura rien à craindre, aucun mal à subir ou à craindre. Puis il dit, donc ça c'est pour confirmer ce qu'il vient d'entendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit, فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا. Est-ce qu'il est possible que quelqu'un soit appelé par toutes les portes parce qu'il faisait tout plus que les autres. Et on le trouve. Allah Ta'ala, par sa miséricorde, il a multiplié les chemins du bien qui mènent à lui.
Allah dit subhanahu wa ta'ala, yahdi bihi Allah, yahdi bihi Allah, yahdi Allah, yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahum subul as-salam. Allah ta'ala guide par le Coran celui qui suit sa satisfaction vers les chemins de la paix qui mène au paradis, as-salam al jannah. Donc il y a plusieurs chemins. قد ربما واحد ينشط في الصلاة ولا ينشط في الصيام وآخر ينشط في قراءة القرآن ولا ينشط في الصلاة إلى غير ذلك طبعا من ما عدا الواجبات. Il y a des gens qui vont plus avoir de facilité à jeûner qu'à faire des prières sur les rogatoires. D'autres qui vont plus avoir de facilité à lire le Coran qu'à jeûner. D'autres qui vont avoir de facilité à donner leur argent. وهكذا. Et il y en a, subhanallah, وفق الله وفقهم حتى يجدوا أو حتى لا يجدوا صعوبة في عبادة من العبادات. Il y a, subhanallah, Allah va leur accorder une facilité et une réussite de façon à ce qu'ils n'éprouvent absolument aucune difficulté à accomplir la moindre action. Ils font tout facilement, aisément, tranquillement. Et donc, Abou Bakr demande, est-ce qu'il est possible que quelqu'un soit par toutes les portes là? Alors celui-là répond oui. وَأَرْجُوْ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ. J'espère que tu feras partie d'eux. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas sous l'effet de la passion, il parle sous l'effet du wahi, de la révélation. Et en fait, s'il dit أَرْجُوْ, j'espère, c'est تَأَدُّبًا مَعَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. C'est par respect et par comportement envers Allah tabaraka wa ta'ala. أَرْجُوْ. Même s'il sait que Abu Bakr, par le wahi, il sera appelé par toutes ces portes-là. Lakin par respect envers Allah tabaraka wa ta'ala, il va employer des verbes de ce genre-là, arju, et on trouve ce genre d'expression dans d'autres hadiths, comme le hadith où dit arju an takuna ou an takunu rubu'a ahli jannah, thulutha ahli jannah, shatra ahli jannah. J'espère, parce que c'est par bienséance envers Allah tabaraka wa ta'ala. Ça nous apprend le respect à employer quand on s'adresse devant quand on parle d'Allah Azza wa Jal. Ça nous montre aussi la vertu d'Abu Bakr radiallahu anhu. Ça nous montre aussi la vertu du jeûne car le jeûne a une porte qui lui est propre au paradis, qui a un nom spécial par laquelle entreront les jeûneurs le jour de la résurrection. On le verra demain inshallah ta'ala ou une autre fois. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.